bord. Le commandant a quitté le vaisseau. L'officier Presley prend le commandement. Alors, Nathalie, elle a un décryptage, du coup. Signature électronique. Ok. Et Rex. D'accord. Merci de ne pas spoil dans le chat. Vous seriez bien aimable. Nous avons vu votre vaisseau. Faidan veut vous parler immédiatement. Qui ça? Qui est Faidan? Notre chef. Il a besoin de votre aide pour préparer nos défenses contre le prochain assaut des Geth. En haut des escaliers, de l'autre côté du transporteur. Ah d'accord. Alors, toi, tu vas me les balancer vers l'arrière. Rien du tout, les petits gars, il faudrait avancer. Ok, bon, bah désolé monsieur, hein. Cache, il s'est fait ouvrir les dents, lui. Oh, je me rappelle de cette mission. C'est la seule que j'avais terminée, je crois, quand on y avait joué l'an dernier. Ok. Donc c'est les petites merdouilles. Ça c'est fait. Bien joué les gars. En avant. J'aurais dû commencer par celle-là en fait parce que dans mon souvenir elle était quand même moins difficile. Ça va aller les gars. Par contre il est 19h déjà. Descends dans les tunnels. Assure-toi que personne ne passe par là. Mais... et si je rencontre des guettes? Tu refuses, c'est ça? Non, je... Ok, j'y vais. Les Geths sont de vraies machines à tuer. Si j'avais gagné un crédit à chaque fois que j'ai tué un Geth... Ouvrez l'œil, ils vont bientôt attaquer. D'accord. Ici, ils sont en situation de crise. Je suis bien content de voir des soldats. Nos forces diminuent à vue d'œil. Préparez-vous. Ça va, je suis préparé. Si on ne meurt pas de soif avant,
Les guettes finiront par tous nous tuer. Putain. Désespoir sur 20. Vous croyez que c'est facile de cogiter quand ça pète dans tous les sens? Vous croyez que c'est facile de cogiter quand ça pète dans tous les sens? Je sais pas, mais lui, il serait pas mieux dans un... S'il est blessé, il serait pas mieux dans un de vos bâtiments, là? Les guettes vont tous nous tuer. Mais non. C'est nous qui allons tous les tuer. Les guettes préparent une nouvelle attaque. Ça va, toi, t'es à l'abri. Tu t'en fous. Putain. Dock de chargement. En regardant ces logs de plus près, vous avez découvert quelque chose d'étrange. On a livré pour plusieurs mois de rations humaines dans un monde inexploré du secteur voyageur. Les informations ne sont pas très claires, mais il semblerait que la cargaison ait été droppée quelque part dans le système Amazon. D'accord. Ok. Moi, je veux du stuff, moi. Je veux du stuff. C'est par où? C'est par où, votre stuff? Ou, je sais pas, des medipacks? Des medigels? Là, repose-toi. Détends-toi, ça va aller. Salut, je viens te stresser. C'était nu. Il suffit juste de ne pas penser au passé. Les guettes continuent d'affluer. Ma femme a besoin de repos. Les attaques ne font qu'aggraver son état. Tu peux la tuer si tu veux, ça ira plus vite. Tu veux pas? Dommage. Looter des trucs. Ravi de vous rencontrer, commandant. Il était temps que les secours arrivent. Toi, t'as une sale gueule. Vous arrivez un peu tard, vous ne trouvez pas? Arcelia. Pardon, commandant. Tout le monde est un peu sur les nerfs. Attention! Il y a des guettes dans la tour! Protégez le cœur de la colonie. C'est bon, on va tous les défoncer. Ne vous inquiétez pas. Ils sont où? C'est quoi qui m'a tiré dessus? Comment ils ont fait pour me tirer dessus? J'étais caché. Il pouvait pas me tirer dessus. Encore. Suivant. Bon, il est bien caché derrière le mur, donc on va aller le déloger. Allez. Merci. J'ai besoin de ma brute. Et... Pitié, pitié. Je ne veux pas mourir. Eh ben, c'est trop tard. Qu'elle s'est accroupie. Thank you.
Allez, sors. Pourquoi j'essaie de tirer avec mon fusil à pompe? Putain, mais il y en a encore! Mais c'est pas possible! Il en arrive des centaines! Il en reste un. Où qu'il est. Allez, viens. Sors. Les Geth vont revenir. Prévenez Faidan, mais ne traînez pas. Il faut sortir le véhicule et partir pour la base Geth le plus vite possible. Eh, tu vas pas me raconter ta vie, toi? Je te dis pas comment faire ton travail, tu me dis pas comment faire le mien. Ça, vous êtes tranquille. La tour est sécurisée, grâce à vous, commandant. Ne me remerciez pas. L'essentiel, c'est que votre colonie soit hors de danger. Merci de votre soutien et de votre aide contre les Geth. On les a ralentis, mais il en viendra d'autres. Il en vient toujours d'autres. Aidez-moi à découvrir ce que cherchent les Geth, et je vous ferai tous sortir d'ici vivants. Personne ne sait ce qu'ils veulent. Tout ce que nous savons, c'est qu'ils ont attaqué la colonie. Leur base se trouve dans le complexe Exogénie. Vous y trouverez peut-être des réponses à vos questions. C'est quoi ça, Exogénie? Nos patrons. Ce sont eux qui financent la colonie. Presque tout le monde ici travaille pour eux. L'autoroute mène directement au complexe Exogénie. Vous ne pouvez pas le rater. Non, c'est surtout l'armée de Geth entre ici et là-bas qui va vous poser problème. Je ne m'attendais pas à une partie de plaisir. Très bien. Ensuite, nous reprendrons les réparations. Non, tout ça, on connaît. Dans ce cas, allons-y. Bonne chance, commandant. Je t'en prie. Ces colons n'ont presque rien, mais ils s'accrocheront de toute leur force à ce semblant de foyer. Ils vont le reconstruire, ces postes. Devin fait ce qu'il peut. Mais nos réserves de nourriture finiront bien par s'épuiser. C'est vous le commandant du vaisseau qui vient d'arriver? Qu'est-ce que vous faites ici? Moi, je surveille juste le vaisseau pour qu'il ne lui arrive rien. Il ne peut plus voler, mais ça nous fait un abri quand les Geth attaquent. Vous avez l'air de surveiller quelque chose. Non. Enfin si, juste un diagnostic du vaisseau. Il faut que je m'y remette, d'ailleurs. Faidan m'a demandé un rapport sur eux. Bon, je dois y aller. Dites-moi un peu plus et je pourrais peut-être vous aider. Non, merci. Vraiment. Je n'ai pas besoin d'aide. Je dois terminer ce travail. C'est pas à toi que j'essaie de parler. Je dois terminer ce travail. Bon... Ça s'est fermé. Et... Ok. Je suis sûre qu'ils me filaient des quêtes, normalement, les gens là-dedans, là, non?
Excusez ma femme, elle ne sait plus ce qu'elle dit. Kalanta a besoin de repos pour accepter ce qui vient de nous arriver. Qu'est-ce qui est arrivé à votre femme ? Ces attaques répétées portent sur les nerfs de tout le monde. Elle s'y habituera, comme nous tous. Je peux peut-être faire quelque chose pour elle ? Non, elle a juste besoin de temps pour accepter. Ça ira. Je dois y aller. Je vous en prie, mettez un terme à ces attaques. Bonjour, étrangère. Ça fait plaisir de voir que le reste de la galaxie ne nous a pas oubliés. J'ai l'impression de parler assez nichon, quoi. Tu es encore un peu faible pour parler. Mais ils doivent savoir que... Non, je veux dire... Ils sont très importants. Oui, tu as raison. Vous avez besoin d'aide ? Je... vais bien, merci. J'ai juste l'esprit un peu confus. Une migraine persistante depuis la dernière attaque. J'ai juste besoin de repos. Aucune trace de blessure. Les migraines, ça te fait pas parler à toi-même, hein ? Avoir une origine. Je vous en prie, elle a besoin de repos. Laissez-la dormir. Non mais je suis désolée, mec. Avoir mal à la tête, ça te fait pas parler tout seul, hein. Ta femme, elle a un problème. Bon, alors du coup...